Aujourd'hui, on va apprendre dans quelle posture pratiquer vos méthodes respiratoires, sachant que dans l'idéal, vous allez pratiquer en position assise, pour bien sentir que votre dos peut s'ériger, pour ne pas être bloqué comme quand vous êtes allongé sur le sol, et pour ne pas vous endormir non plus. Donc, soit vous vous placez assis au sol comme nous, soit vous vous placez assis sur une chaise, mais faites vraiment ce qui est le plus confortable pour vous, tant que vous n'arrondissez pas trop votre dos et que vous arrivez à vous redresser, à placer les épaules au-dessus des hanches. Si vous êtes au sol, vous pouvez éventuellement, pour plus de facilité, placer un support sous vos fessiers pour que le dos puisse se redresser. Donc soit vous utilisez un coussin, soit vous utilisez des briques, soit vous pouvez utiliser l'un et l'autre. Et vraiment, il faut que vous ayez aucune douleur, aucune gêne pour pouvoir être concentré sur votre respiration. Donc pareil, si vous sentez que vous avez des douleurs au niveau des genoux dans la position en tailleur, ça peut arriver. Soit vous pouvez vous placer effectivement en étant avec les fessiers en direction des talons et les briques pour rehausser et pas qu'il y ait trop de flexion de genoux. Soit vous pouvez utiliser une brique pour soulever le genou qui vous pose des difficultés, donc l'un ou les deux. Donc vraiment, vous utilisez tous les supports que vous voulez. Soit vous vous placez avec les chevilles croisées, soit vous vous placez avec un pied entre le mollet et la cuisse, soit vous vous placez en demi-lotus. Dans l'idéal, c'est le bas du dos légèrement cambré, le sommet de la tête tiré vers le ciel, menton légèrement rentré, on relâche les épaules. Oui, ce qui est important, c'est d'être le plus confortable possible pour pouvoir se concentrer sur sa respiration et pas sur une éventuelle douleur. Et ne pas hésiter à changer de position, hein. Vraiment, ça, c'est, on peut bouger autant de fois que nécessaire tant qu'on est bien et confortable. Et là, on peut commencer à pratiquer les exercices respiratoires.